rubrique d'information du dimanche à l'époque. Nicolas Toulouse qui pointait pour sa peur. Martinez avec l'innovation qui lui est destinée, s'il vous plaît. Merci de l'applaudir encore plus fort. On s'en donne un cœur joie, les mains qui vont se lever. Vainqueur sur le grand prix de Châteaudun. Victorieux également sur les grands prix. Gilbert Bousquet, superbe. Ça sera l'arrivée cette fois-ci. C'est parti de très très loin avec les coureurs de la formation d'Anthony Graber. Cette fois-ci pour l'arrivée, pour la place d'honneur, Diodanès qui sera en première ligne, qui prend du coup justement les deux Belgiens avec Thomas Knotts qui termine pour l'accessit, tout comme également avec le retour qui a été des plus magnifiques. On était avec Ewen Henriot, je crois savoir. On avait été pris en défaut, mais pas de problème. Je crois savoir avec la découverte de la formation du vélo club du pays de Loudéac. Ewen Henriot qui était pour la place d'honneur, c'était le cas également avec Dimotis. On a un cœur de saluer Alain Joussomme, victorieux d'étape au niveau de la Flèche d'Armor, toujours-t-il. L'arrivée pour l'ensemble des coureurs, ce sera le cas également avec les autres sociétaires de la Sojasun. On va les laisser compter l'exercice, on les accueille et je pense notamment à notre Vendéen, Willy Artus. J'ai évoqué notamment la victoire à Châteaudun, le succès aujourd'hui à l'Andivisio. Est-ce qu'il y a eu d'autres victoires en parallèle là, parce qu'on est gourmand pour un retour chez les amateurs? Merci, on va le remercier à notre manière. Vos applaudissements des plus fournis pour Yannick Martinez. Madame le maire avec Éloine Le Breton qui va se faire un plaisir de le fleurir. Elle a été à maintes reprises championne de Bretagne, championne de France sur le plan FGT en cyclocross. Ça tombe bien, la transition qui est parfaite puisque nous sommes avec quelqu'un qui a été champion de France de cyclocross chez les cadets. C'était en quelle année justement? En 2003. Alors les années ont passé et toujours la passion qui reste de mise. Oui, bah, je suis toujours discuté de France avec mon frère tout l'hiver. Le vélo, voilà, je peux pas m'arrêter d'un coup, c'est ma passion. Merci à toi Yannick, merci. J'enchaîne avec celui qui a terminé, vous avez raison de l'applaudir très très fort, s'il vous plaît, Yannick Martinez du Couton Chalétois. Ensuite, le Finistérien de Nantes-Atlantique, Léonanès, celui qui avait remporté la Vallée de la Loire, qui a été le vainqueur d'étape également sur le Tour de Moselle, sur le Tour de Nouvelle-Calédonie. On accueille sous vos applaudissements, deuxième, Léonanès, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui t'a manqué pour prendre sa route tout à l'heure? Est-ce que tu l'as vu attaquer à tout hasard? Ouais, on est toujours resté le regarder, puis il n'y avait pas grand-chose à faire. Il est passé à côté de nous, on était déjà tous à moitié à bloc. Et il est sorti à la patte, il n'y a rien à dire, il a vite creusé, et puis on s'est vite résigné à jouer la deuxième place. On se disait tout à l'heure, mais il y a le cyclisme, c'est pas des maths, on se disait quand il y avait 3-4 coureurs nantais sur les avant-postes, on disait eux, ils vont à la gagne. Après, on n'est jamais à l'abri de tomber sur quelqu'un de plus fort que nous. Hein. Mais c'est vrai que c'est pas parce qu'il y a joué aujourd'hui. Hein. Si je fais une deuxième place aujourd'hui, c'est grâce à l'équipe. On a tous joué notre rôle en attaquant à plusieurs reprises, en y allant chacun son tour. C'est vrai que si on est sur une course, on est à peu près tous du même niveau, le collectif fait le jeu et puis ça nous permet souvent de gagner le bordel en tout cas. Mais bon, aujourd'hui on est tombé sur plus fort, donc il n'y a pas de